là, ce que je vais vous donner maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser pour tout autre domaine. Si tu veux perdre du poids, si tu veux, je sais pas moi, si tu veux augmenter tes revenus, si tu veux changer quelque chose, si tu veux avoir un changement physique ou un changement au niveau de ce que tu fais dans ton travail, là, ce que je vais te donner, ça fonctionne. En fait, quand tu as compris que ça fonctionne pour un truc et que ça peut fonctionner pour d'autres, tu te dis, bon, maintenant, j'ai plus qu'à choisir, quoi. Pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Bonjour, ici Loïc Tortelier et aujourd'hui je vais vous partager trois conseils, même dans les deux, juste deux ou trois on va voir, pour augmenter vos performances. Alors en fait, ce qui est énorme quand tu connais les stratégies pour augmenter les performances, c'est que ça marche dans tous les domaines. Alors après, il faut que tu choisisses en fait dans quel domaine tu veux t'axer pour augmenter les performances. Moi de mon côté, j'augmente les performances notamment pour les entrepreneurs. Sur internet et les réseaux sociaux pour leur site internet, leur tunnel marketing, leur tunnel de vente, leurs réseaux sociaux. On travaille sur plusieurs axes, mais là, ce que je vais vous donner maintenant, vous pouvez aussi l'utiliser pour tout autre domaine. Si tu veux perdre du poids, si tu veux, je sais pas moi, si tu veux augmenter tes revenus, si tu veux changer quelque chose, si tu veux avoir un changement physique ou un changement au niveau de ce que tu fais dans ton travail, là ce que je vais te donner ça fonctionne. En fait, quand tu as compris que ça fonctionne pour un truc et que ça peut fonctionner pour d'autres, tu te dis bon, maintenant j'ai plus qu'à choisir, quoi. Pourquoi est-ce que je vais utiliser ça? Donc, ce premier conseil, c'est un principe, c'est la répétition. Tu vois, c'est tout bête. La répétition, tu prends n'importe quel sportif de haut niveau, quand il fait de la répétition, quand il répète ses entraînements, plus il va les répéter de façon régulière, donc il va avoir, ça c'est le deuxième conseil, répétition plus régularité, donc il va faire de la répétition, s'il va faire sa séance de sport tous les 3 jours, ok? Il va répéter tous les 3 jours. Maintenant, s'il veut des résultats plus rapides, bah, il va répéter ça tous les 2 jours ou tous les jours, tu vois? Du coup, il va avoir une accélération de ses performances beaucoup plus rapide par rapport à son entraînement sportif. Donc, il y a la répétition, il y a la régularité, puisque dans la répétition, il y a un effet de régularité qui va être très important. Et donc, si tu mets en place une répétition de quelque action qu'elle soit, par exemple dans tes performances sur Internet, dans ce que tu fais, imaginons que Imaginons que tu veuilles plus de visibilité sur ton site internet. Tu sais que tu as 10, 20, 100 ou 1000 ou 2000 personnes par jour qui arrivent. Ça, je ne sais pas où tu en es, ou 100 000. Maintenant, si tu veux en avoir plus, en fait, il faut que tu identifies les actions qui t'amènent les visiteurs et que tu répètes ces actions-là. Et plus tu vas les répéter avec une durée courte, bah, plus tes résultats, tes performances vont augmenter. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est hyper simple. Tu détermines, tu trouves l'action qui t'amène des résultats. À partir de là, même si les résultats sont petits, tu répètes cette action plus massivement, ok, de façon plus massive. Et ensuite, tu réduis la durée. Donc tu le répètes sur des durées plus courtes, une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours, une fois tous les jours. Et tu auras obligatoirement une augmentation des performances. Maintenant, dites-moi et dis-moi toi dans les commentaires quelle est la chose sur laquelle tu veux augmenter tes performances. Okay? Tu me mets dans les commentaires sur quoi tu veux augmenter tes performances et tu as déjà ici un premier élément de réponse.